Salut Lou, de moi de sans l'autre. Donc aujourd'hui c'est parti, enfin les vraies vacances comme dirait l'autre. Donc vrai golf, 18 trous, mallette, on a pris la voiturette, voilà, on part des blancs. Et on a commencé pour faire un. On a fait un petit drive tout sympathique. Voilà, pour trou numéro 1. Maintenant, on se fait plaisir. Bisous. Allez, deuxième coup. Qu'il fallait que je joue à faire 8 et j'ai joué à 9. En fait c'est très mignon, hein. J'ai tapé un drive comme ça, je suis arrivé derrière le bunker et là, la montée, je suis arrivé là. En fait elle a pitché pile sur le green. Ça appelle pour birdie. On commence par un par, les loups en mollette c'est bien. Allez, trou numéro 2. Dans le bunker. Allez, troisième coup sur ce trou numéro 2 qui est le trou signature, hein, le plus dur. Super contact sur le green à 120 mètres. Allez, peut-être pour le par. Bon ben, un très vilain 3 potes, hein, ça fait double bogey. Mais bon, j'ai un coup rendu. Mais... Voilà. Pas très bien contacté, mais ça fera du chemin.
Allez, quatrième coup sur ce par 5, il me reste 156. C'est cauchemar. Ben voilà, enfin un joli shot. Allez, putt pour le par. Les potes de l'année là, putain, j'étais carrément trop court alors que j'avais au moins 30 mètres et le deuxième, ça boite. Bogué. Allez, trou numéro 4 par 4 de 390 mètres des blancs. Très joli putt, hein. Dommage qu'il aurait pu rentrer. Mais bon, ça fait un bon de putt de distance. Bon, bah, les blues, voilà, le kiff à William, c'est quoi? C'est le golf. Et puis, c'est surtout mon rêve, ça serait d'avoir des maisons comme ça, là, vous voyez. Petite maison, pratique. Et puis, j'aime son parcours. Donc, si vous gagnez l'auto, vous avez un peu trop de sous et que vous voulez m'aider, hein, n'hésitez pas. Hein, j'aime bien celle-là aussi. Hein. Ou alors, plus classique, hein, celle-ci. Hein, ou les autres avec piscine. Hein. Un sanglot, c'est très bien.
Les yeux pour faire 5, nickel. Allez, troisième coup sur ce par 5. Pas possible, je suis mauvais. Bien sûr, je vous ai filmé l'approche ratée et évidemment il me reste dans 40 mètres et je l'ai pas filmé, donc forcément j'ai réussi. C'est pas comme ça. Belle petite approche. Il vient de pratiquement pardonner. Voilà, comme ça on va essayer de sauver le par. Ça fait du bien de refaire un par. Hein. Allez, sur ce par 3 de 170 mètres, j'ai raté le départ. Il me reste 84 mètres. 56. Super longueur, je suis sur le green, mais malheureusement complètement décalé à gauche, et vu la grandeur des greens, enfin la largeur des greens, à chaque fois bah, je me laisse pas deux potes, hein. Parce que par 3 j'ai pas droit à l'erreur, donc si je fais deux potes c'est bogué. On va voir où je suis arrivé. Je sais que je suis un bon putter, mais quand même. Alors, on est là. Là c'est vraiment pas donné. Hein. J'ai fait mon petit pitch, bien sûr que je vais relever. Voilà, donc là il me reste un peu de 20 mètres en descente. Ouais. Superbe putt, je lis bien les lignes, en plus ça monte, ça descend et malheureusement je m'arrête un tout petit peu avant. Et on sauve le bogey, c'est bien. Perfecto. Bon, après une superbe approche, là où je suis sur le green, sur le monticule, on va essayer de sauver le par. Ça m'arrive jamais, là ça roule, c'est horrible, je veux 3 putts, double bogey. Bon, on voit qui est sur le trou numéro 8, un petit par 3, et voilà pourquoi j'ai moyenne. C'est quand on se retourne gentiment, qu'est-ce qu'on voit? Eh oui, la plage. Et tout à l'heure, on jouera derrière
là-bas, en bord de mer. Départ du trou numéro 9, donc c'est agréable. Moi je pars des blancs et il y a certains trous, vous voyez les petits piquets noirs, c'est les piquets des professionnels. C'est un parcours où il y a des grands prix pro de temps en temps. Donc des fois quand ils raccourcissent les noirs, les pros ils les mettent avec les blancs. Donc, hein, Jeff jouait des pros, oui bien sûr, lol. C'est détrempé dans le rough. C'est détrempé, on peut pas mieux faire. Bon, bah, trou numéro 12, un par 3 sympa. Les blancs sont encore reculés avec les noirs, donc. Des parcours des pros, donc difficile. Allez. Bon les amis, j'ai attendu un an, voilà, ça fait un an que j'attends, que je bosse pour ça, pour arriver sur le trou numéro 13 du Golden Molyneux. Voilà, le Lynx. Tout à l'heure on jouait là-bas, quand j'ai montré la plage, et là juste derrière, là, voilà. Drapeau vert hein, derrière. Et là, on va aller sur le Lynx. Et on aura une vue sur les dunes et la plage. Le pied. Bon. Mais j'ai passé le Lynx et je suis arrivé au niveau du bunker là-bas. On y voit bien là, Tintin. Bon bah voilà, tout seul, hein. Pas mon loulou, bah tant pis pour lui. Mais j'en profite, allez, j'essaye au moins. Allez, regardez-moi ça. On est pas bien là, Tintin. La sanglemoute mobile, elle est bien là. Les greens sont un peu de moins bonne qualité cette année, mais bon, ça reste quand même top. Et après, si t'as trop chaud, et bah qu'est-ce que tu fais? Bonjour.